Et voici venir la finale du championnat du monde des juniors. Nos deux combattants sont prêts à en découdre. Le gagnant sera-t-il Trunks ou Son Goten? Quel que soit le résultat, ils peuvent être fiers du parcours sans faute qu'ils ont suivi pour arriver jusqu'ici. Et un détail qui donnera du piquant à ce combat, nos deux finalistes sont de grands amis. T'es le meilleur, Goten. Tu vas gagner, allez. Mettez-nous en plein la vue. Battez-vous. La finale va bientôt débuter. Hein? Hey, il y en a encore pour longtemps, on est pressé. Ça y est, on a réglé la punch machine, voyez. Parfait. Et toi là, fais la queue comme tout le monde. Hein? Non, mais... Valero, pas ce comportement. Non, mais c'est pas ça, c'est parce que je suis... Mais puisqu'on vous dit qu'on est pressé. Pas question, c'est le règlement des online. Hein? On va rater la finale si ça continue. Je sens que les gradins sont en ébullition. Votre patience est enfin récompensée. Que la finale du championnat du monde d'arts martiaux catégorie junior commence! Fais attention, j'ai pas l'intention de retenir mes coups, Goten. Moi non plus. Je suis bien décidé à gagner. Alors, ce sont eux? Oui, ils ont 7 et 8 ans. Arriver à ce stade du championnat à cet âge... Tiens... Sa tête me dit quelque chose. J'ai l'impression de l'avoir déjà rencontré, mais c'était il y a longtemps. Allez, Goten! Vas-y, Trunks, à toi de jouer! Bon match, les enfants! Restez zen et faites comme à l'entraînement! Ouais! Ça a déjà commencé. Ah, attends-moi, Gohan. Désolé pour le retard. Ils nous ont fait attendre, mais ça y est, on s'est qualifiés. Vous en avez mis du temps. Vous avez passé un peu de temps en amoureux, c'est ça? Non, je vous ai dit qu'on était juste amis. On me la fait pas, moi. Vous arrivez au bon moment, ça commence à devenir très intéressant. C'est bien, continuez comme ça. C'est bien les petits gars, allez, vous relâchez pas. Goten, attention! Allez, Goten, je suis en mort, les passes sont battues, j'ai tiré mes tasseurs et la batterie, on a vu ce que tu gagnes! C'est bien, Goten, ne laisse pas s'échapper! Trunks, fais quelque chose, voyons! Oh,
Mais c'est quoi ça? D'où ils sortent ces deux-là? Attendez, c'est normal ça pour un combat entre des enfants de 7 et 8 ans? Mais c'est qu'ils se débrouillent pas mal, Mini Trunks et Goten. Ils ont fait des progrès. T'as vu ça? C'est super, les enfants! On est tous fiers de vous ici! C'est génial! Le duel fantastique entre Trunks et Goten ne fait que commencer. Lequel des deux gagnera le combat et sera sacré champion du monde d'arts martiaux junior? C'est incroyable! Son Goku s'est entouré de guerriers plus puissants les uns que les autres! Quelle occasion unique! Ce championnat va entrer dans l'histoire! C'est le genre d'événement que tout animateur rêve de présenter! Il se débrouille plutôt bien, vous ne trouvez pas? Oui, ça, j'avoue qu'il m'impressionne beaucoup. Je ne m'attendais pas à ce qu'il se montre aussi coriace. Tu te défends pas mal, Goten! Je sais pas quel genre d'entraînement tu as suivi, mais tu as fait beaucoup de progrès! Mon grand frère m'a appris plein de choses. C'est un super entraîneur. Ah oui? Et est-ce qu'il t'a appris à parer ça? Trunks n'a quand même pas l'intention d'envoyer une boule d'énergie. Il risquerait de pulvériser les tribus. Ne fais surtout pas ça, imbécile. Laissez-le essayer une fois. Pas de panique, faites-leur un petit peu confiance. Ces garçons savent ce qu'il faut. Oh, vous avez vu ça? C'était quoi? Un météore? Aucune idée, mais j'ai jamais vu un truc pareil sortir des mains d'un enfant. Oh, c'est pas passé loin. Vous voyez? J'ai déjà vu cette attaque auparavant. C'est pas possible, me dites pas que... Cool, hein? Avoue que ça t'épate. Non, moi aussi, je sais le faire. C'est vrai que je n'ai pas beaucoup travaillé, mais je peux aussi y arriver. Kamekame! Non, c'est pas comme ça qu'il faut le dire. C'est pas passé loin. Bon, c'est vrai qu'il ne maîtrise pas encore tout à fait le Kamehameha, mais ça viendra. C'est une blague? Oh là là! J'ai touché la maison, j'ai fait une bêtise. J'arrive pas à y croire. Il ressemble comme deux gouttes d'eau au type qui a tenté de me voler la vedette pendant le tournoi de sel. C'est ahurissant. Il a sorti le même genre de missile que l'autre gamin. C'est dingue, j'ai jamais vu ça. Dis, on devrait peut-être éviter les boules d'énergie à partir de maintenant. T'es un vrai danger public. Tu vas tout faire brûler. On va se battre en combat rapproché maintenant, hein. Je vais terminer ce combat avant que les spectateurs ne commencent à s'ennuyer. La victoire est à moi! C'est ça, oui, tu peux toujours rêver! C'est pas juste. Où est-ce qu'il est passé? Arrête, c'est pas pour le prince, tu vas te lâcher, oui. C'est pas du juste que tu fais. Mais lâche-moi. Tu peux le faire. Vas-y, Goten. Alors, t'abandonnes? Prends-toi et je te laisse partir. C'est pas une hallucination. Ils sont bien en train de flotter dans les airs. Oh ouais, il faut croire. Alors, qu'est-ce que t'attends? Dis que tu abandonnes ou tu vas finir par perdre tes bras. Non, ça jamais. On dirait bien que Trunks est en train de prendre le dessus, hein. Allez, courage, tiens bon, Son Goten. Laisse-toi aller, abandonne mon grand.
Il arrive à se transformer en Super Saiyan à son âge. C'est pas croyable. Goten, qu'est-ce que tu fais, crétin? Hé, ton fils est un tricheur, Kakarot. J'y suis pour rien, moi. C'est pas moi qui lui ai dit de se transformer. Pas si vite. Il était blond, il y a à peine quelques secondes. J'ai pas rêvé. Oh, tu me rassures, je croyais que je devenais folle. Ça y est, j'ai compris. Je suis endormi et je vais me réveiller. Oh, oh non, c'est pas vrai, c'est un cauchemar. Oh, c'est bien eux, ils sont de retour. Ah, et cette fois, ils ont ramené leur gamin. C'est de la triche, Goten. On était d'accord, on avait dit qu'on ne changerait pas en Super Saiyan pendant le championnat. Ouais, je sais, je suis désolée, j'ai pas pu m'empêcher, pardon Trunks. Ça va, mais recommence pas. Hé, hey, tiens, ça me donne une idée. Ah oui, c'est quoi ton idée? On va rendre les choses un peu plus intéressantes. Ouais, tout ça c'est trop facile, alors je vais combattre sans utiliser mon bras gauche et je gagnerai quand même. Quoi? Tu mens d'abord, tu peux pas gagner comme ça. Tu vas voir ce que tu vas voir. Eh ben vas-y, essaie un peu gros malin. Rah. On va voir si t'es si fort que ça en n'utilisant pas ton bras gauche. Vas-y, approche. C'est bien Trunks, vas-y. Bon alors, on peut savoir ce qui se passe? Oh, s'il te plaît, je veux des bonnes nouvelles! Oh, désolé, j'arrive pas à trouver ce qui cloche, j'y comprends rien. Toi là, dis-moi qu'on a apporté d'autres caméras ou je fais un malheur? À vrai dire, on a des caméras de secours, mais elles ne fonctionnent pas non plus. Apparemment, il n'y a plus une seule caméra qui marche à l'intérieur du stade. C'est la même chose pour les appareils photo. Même ceux des spectateurs sont hors service. Oh, mais c'est une catastrophe. On est en train d'assister au combat du siècle et on n'en aura pas la moindre image. Bon, alors là, vous êtes d'accord, on peut dire qu'il vole ce gamin, je suis pas fou. Vous le voyez comme moi. Oh, il a aussi maîtrisé l'art de voler, décidément il n'en finit pas de m'impressionner. Il est plein de surprises, qu'est-ce qu'il a l'intention de faire? Oh, j'en étais sûre. Tu n'es qu'un sale menteur, Son Gohan. Tout ce temps, tu lui as appris des choses que tu t'es bien gardé de me montrer à vous. Ah, je vous ai enseigné exactement la même chose à tous les deux. Ah oui, t'es sûre? Alors, dans ce cas, comment a-t-il atteint ce niveau? Prends ça, Trunks! Il essaie d'anticiper ma prochaine attaque. Grâce à la vitesse de sa chute, il veut renforcer sa charge et la puissance de ses coups. C'est bien pensé, mais il ne sait pas voler depuis très longtemps. Cet imbécile ignore ce que je lui réserve. Je vais l'esquiver au dernier moment et le contre-attaquer. Il va s'écraser bien comme il faut. Son Goten. Dis donc, impressionnant. Oh, mesdames et messieurs, nous avons un vainqueur. Trunks a sorti son adversaire de l'aire de combat et remporte ainsi la victoire. Ça y est, j'ai gagné, j'ai réussi. Ouais, bravo mon chéri, c'est toi le meilleur. Bravo, voilà, c'est mon fils. Ils se sont tous deux très bien battus. L'important, ce n'est pas de savoir qui a gagné. L'important, c'est la façon dont ils ont...